Voilà, la basse ici sur Rival Sons, Open My Eyes, on est sur les parts, les verses, les couplets, hein, et je vais jouer cette partie basse sur un backing track batterie qui tourne à 70 BPM, un tout petit peu en dessous de la vitesse normale, quoi. C'est ça, hein. On est parti. 1, 3, 4. Très lent, comme ça on a un peu plus de détails. 2, 3, 4. Explique le truc. La, octave. Ré, do, ré. Et chaque fois un petit slide down. Hein. Double, double croche. Ré, do, ré. La, ré, do, ré. La, ré, do, ré. La, ré, do, fa. La, ré, do, fa. Attention, c'est plus la, ré, do, fa. Hein. C'est la, ré, do, fa. Hein. Donc il y a 4 doubles croches, donc fatalement la quatrième double croche elle est un peu en l'air. Hein. Elle est en l'air, hein. Tu vois, un peu en l'air. Hein. Alors, sur le troisième temps de la mesure, c'est quasiment le même pattern. Hein. La, la, do, la, ré, et apparemment il glisse. Hein. Voilà, et là on doit arriver, je crois que c'est un peu en l'air. Même chose, c'est en l'air aussi. Hein, mais ça c'est sur le troisième temps. 1, 2, 3, 4, un peu en l'air. Et puis on a deux petites notes ici. Donc c'est do, la, et on glisse pour reprendre le début. On va filmer la basse de Philippe, voilà. Comme ça. Non? Juste pour voir, non? Oui, si. Bah, pour voir les... la cinquième porte aussi, on s'en fout un peu, hein, l'utilisme du tout. Ouais. Attends, je vais mettre la batterie, c'est plus simple, toujours plus simple. 'Faut pour travailler. Donc en fait voilà, je suis sûr de mon coup, la première phrase elle est jouée comme ça, la deuxième phrase est un peu plus compliquée, mais dans le pire des cas on peut jouer ça tout le temps, ça fonctionnera. Ça marche aussi, oui. Voilà, donc on verra la suite un peu plus tard. Ouais. Voilà. Bon, on a le